Ça veut dire qu'il va falloir prendre la lanterne de temps à autre, mais pas trop. Ah, ouais, ok. Non, ça c'était con ce que j'ai fait. On va essayer de d'économiser ce que l'on a. Ok, donc mon perso est en train de complètement péter un câble. Allez, ouvre-toi. Non, ça veut pas s'ouvrir. Alors, il y a du boucan. Bon, dans ce cas, on va peut-être fermer la porte, hein. Voilà. On n'aime pas être là-bas, autant la fermer. Parce que je vais en chier certainement pour l'ouvrir tout à l'heure, mais tout va bien. Et il y a du sang par là-bas. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Oui, bien. Ça me plaît. Ça c'est quoi ça? Un tapis. On peut s'armer du balai, taper sur les gens ou comment on fait? Parce que je suis assez bon escrimeur à la rigueur. Voilà, pour taper, ça peut le faire. Mettre du bois au feu. Alors là j'essaye hein, pas mal de choses, mais c'est surtout pour histoire de me familiariser un petit peu avec les boutons du jeu. Bonsoir Merek. Bah les plus 1, plus 3 contre les fantômes, belle arme. Merci Tips, c'est très gentil de m'encourager. Ah. Et malheureusement, ça a pas l'air de fonctionner vraiment. Ah ouais, d'accord. Du genre, il fait nuit noire des deux côtés, c'est top quoi. Me fais pas lâcher mon balai comme ça. C'est quoi cette potion? Pourquoi il y a des potions? Ma maman, elle m'a dit de pas boire des trucs donnés par des inconnus. Bon, ok, si tu veux. Voilà. Tu vas aller beaucoup mieux. D'accord, ça c'est de l'huile pour le. Pour la machine. Et cette tabulation pour le remplir. Ok, ça a été cassé. Bon, on va peut-être avancer et lire cette lettre. Alors, le 19 août 1839. D'accord. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Alors, apparemment, on doit tuer un gars qui s'appelle Alexander. Jusque-là, tout va bien si j'ai saisi le truc.
Et on a essayé d'oublier quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas. On a essayé d'oublier quelque chose. Et on a une ombre, un cauchemar qui nous suit. Et qui essaye soit de nous tuer, soit de nous bouffer, soit je ne sais trop quoi encore. Est-ce qu'on a besoin d'aller là-bas ou pas? Non, parce qu'il n'y a rien ici, c'est mort ici. Donc en tout cas, il faut tuer l'ordre Alexander von Brand. Ah, si, j'avais bien dit quelque chose. Enfin, Alexander von Vanderburg. Voilà, c'est cool. Qu'est-ce qui s'ouvre? Ah! Plus. Et il faut qu'on aille dans The Inner, je ne sais quoi. Trop quoi. Oui, les cafards, allez, on dégage. Alors, mince, j'ai pas lu ce qui était marqué. Alors, je suis désolé, je vous fais pas forcément la traduction en temps réel parce que mon anglais, même si je comprends ce qui est dit, le temps que je fasse la traduction dans ma tête pour vous le dire ensuite, je vous fais juste des résumés parce que alors, je suis pas super bon. Alors, est-ce que je peux courir? Ouais. Semble-t-il que je peux courir. Ok, mieux que tout à l'heure en tout cas. Alors, pourquoi il y a un bout de sang? Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Ok, donc c'est l'Inner Sanctum. On doit aller à le sanctuaire intérieur. De mémoire sur ma traduction, si elle n'est pas trop trop mauvaise. Alors je pense qu'on doit descendre là-bas en bas. Mais comme tout bon explorateur, j'aime bien savoir si je peux récupérer des choses avant, hein, ça peut toujours m'aider. Un peu de lumière, un peu d'huile, un peu de pétrole, un peu de... Ok, c'est le laboratoire. Peut-être pas là où je devais aller. Un peu Lovecraftien, oui et non. En fait, tu t'es fait perdre la mémoire. Ouais, non, on va se casser là. Tu t'es fait perdre la mémoire, mais c'est à toi de découvrir pourquoi. Et tu t'es juste dit, il faut que tu assassines Alexander von Brennenburg. Et après, t'en sais pas forcément plus. Donc, c'est à toi de découvrir pourquoi. Il y a une petite dame qui a gueulé, je ne sais pas pourquoi. Qui a demandé à ce qu'une chose s'éloigne d'elle. Alors le but hein, de ce jeu n'est pas forcément de gagner, hein, c'est juste de profiter de l'ambiance. Parce que gagner, je pense que de toute façon, vous y êtes amené tôt ou tard. Ah, ça m'intéresse, ça, par contre. Merci. Ça, c'est intéressant. Un peu de lumière au cas où. Ça, c'est quoi? Les archives. On n'a pas besoin de venir là pour l'instant. Ah! Ah oui, c'est pas mal, je me blesse. Ok. Ça peut s'ouvrir. Ah bah oui, ça c'est bien. Alors par contre, j'ai pas regardé pour remplir la lampe. Ah si si, c'est tabulation, c'est bon. Je me souviens. Allez les copains. Allez, tous, 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 tous. On dégage.
On a le droit de se casser? Non. D'accord. Ça, ça veut dire non. Ok. T'es pas gentil. Y a pas une épée ou un truc comme ça, non? Des Brandenburg, y a pas d'épée dans un château. Vous pourriez faire des efforts, non? Y a pas de copain qui veut me buter. Enfin, pour l'instant, en tout cas. D'accord. Ok. Ouais, oui, donc oui, le côté Lovecraft, ça y est pour beaucoup en fait. Aïe, je me prends la porte dans la tronche. Alors apparemment c'est gluant. Il faut un outil pour pouvoir y couper, y brûler. Je ne peux pas passer par là. Mais c'est là où je dois aller en fait. Donc il me faut un outil. Oui oui, il y a du vent, oui merci. Il faut un outil. Alors on est allé de là-bas. Et peut-être que de là. C'est quoi ça? Le wine cellar. Donc ça c'est tout simplement ben, la cave à vin. Les cailloux? Ah, bon, on peut tester. Clairement. Alors, est-ce que je peux pas prendre un bout de caillou? Les cailloux font pas effet. Font pas effet. Alors si on est perdu, on a ah, j'oublie déjà les touches, c'est pas mal. C'était quoi qu'il me disait tout à l'heure? Alors attendez, je suis désolé, hein, faut que je me note les touches parce que je les ai pas du tout. La lanterne, etc. Bouton RT. Non, c'est pas ça du tout. Misc, voilà, l'inventaire, c'est tab. Ok, le journal c'est J. Memento c'est M, ok. Je suis désolé, hein, je vais revenir souvent parce que les touches, je risque de les oublier. Et le problème étant, c'est que comme je passe en QWERTY, c'est pas évident. Alors les notes, on sait qu'on doit... voilà. Je souhaite que tu ne te poses pas... Enfin... Je suppose que tu te demandes ce que tu dois te rappeler. Je ne sais pas ce que tu vas de quoi tu vas te souvenir après avoir pris cette boisson. Ne sois pas effrayé, Daniel. Je ne peux pas te dire pourquoi. Mais sache ceci, tu dois oublier. Essaye de trouver le réconfort et la force dans ton... ta confiance et ta force dans ce fait. Il n'y a pas d'autre choix. Tu es mon effort final pour mettre les choses dans le bon ordre. Apparemment, bon, le Lord Alexander of Brandenburg a essayé d'invoquer des choses qui sont en colère après toi. Quelque chose comme ça, if not, bon, si ce n'est pas le cas, en tout cas ça semble horrible. Va dans le Sanctum, enfin Inner Sanctum, trouve Alexander et tue-le. Son corps est vieux et enfin vieux et faible, le tien est fort et jeune. Donc apparemment, tu as aucun souci là-dessus. La dernière chose, une ombre te poursuit. C'est un cauchemar vivant qui traverse la réalité. J'ai essayé plusieurs choses et je n'ai pas trouvé de moyen de le battre. Donc tu dois t'échapper aussi longtemps que tu le peux.
Essaye de survivre au noir, à l'obscurité, et de trouver Alexander et de le tuer. Toi-même, hein, Alexander. Donc voilà la note que l'on a eue tout à l'heure. On n'a pas d'informations plus et on voit qu'il y a une sorte de chose organique donc qui bloque la raffinerie. Est-ce que ça peut être dissous? Donc en fait, pour pouvoir le dissoudre, il faudrait aller dans le laboratoire, en effet. Donc allons dans le laboratoire. Vas-y, Roger picole. Oui, bah oui, forcément. Alors, c'était ça, la laboratory. Ouais, c'est ça. Le laboratoire. Donc, au départ, j'étais allé au bon endroit, en fait, directement. Et essayez de proposer des solutions, hein, si vous en avez, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas du tout. Parce que, alors là, personnellement, j'avoue que des fois, je sèche un petit peu. Alors on va essayer de se mettre dans la lumière, dans la mesure du possible. Bon, le copain il pète un câble. Voilà, on va se mettre des lumières de temps à autre pour dire de retrouver un petit peu notre... Ah! Oui, non. Non mais c'est gentil, ça mord pas. Calme-toi. Pourquoi il y a de la chair au sol là? S'il vous plaît. Je vais prendre un caillou moi. Ah bah non, même pas. Le caillou, il se la joue à Gandalf, c'est tu ne me toucheras pas. Mais bon, c'est pas très efficace. Ils sont où les bébêtes? J'essaye de pas utiliser en fait mes ressources parce que je sais que si je les utilise tout le temps, je vais me retrouver à poil et ça sera encore pire en fait. Ah oui, c'est froid, bah oui. Bon, d'accord, calme-toi. Ah! Non, c'est F. Bah oui, mais j'en avais des potions, mais pourquoi il me l'a... Moyen ça là-dedans là. Alors apparemment le manque de cheminée pour évacuer convenablement les fumées de mon expérience la plus récente apparemment a fait des dégâts dans ce qui était le moins stable des ingrédients du stockage. Apparemment, certains semblent inaffectés, mais beaucoup de fumée semble présente et c'est difficile de s'en sortir. Je traduis approximativement. Apparemment, il a essayé de déplacer un maximum jusqu'au cellier à 20. Donc apparemment, il faudra aller dans le cellier à 20. Si je fais ça, je peux. Ah mais oui, mais attendez. Je suis con. Voilà. Et ça, c'est quoi? La lanterne, d'accord. Apparemment, moi, je vais pas très très bien.
faudrait pas que j'aille là-dessous. There should be more coop rats. Let me see, let me see. And one part, aqua force. Bon, alors apparemment on avait peut-être des indications sur ce qu'il y avait à mélanger, mais j'ai pas tout saisi. C'était à moitié en latin. Donc c'est ça qui allait pas. Voilà. C'est quoi ça? D'accord, peau de chimie. Ok. Qu'est-ce que dit le bouquin? Alors, bonsoir Blazer. L'huile et du feu pour faire brûler le bouquin. Non, non, je suis obligé de récupérer des produits chimiques là pour le coup. Il y avait un champi près de la grille au sol. Non, je sais pas. Bon, on va regarder. Alors, les expérimentations d'alchimie. À mon troisième essai pour produire la vie artificielle. Enfin, artificielle vitae. Le composant principal manquait apparemment de ce dont j'ai besoin. Mais je sens que je suis proche. La calamine et l'orpiment. Je sais pas ce que c'est que la traduction d'orpiment. Et le cuprit. Ben, alors là, y a des termes, je rame un petit peu, je dois avouer. Il faut tenter de mettre de l'aqua regiae, donc c'est de l'eau royale, je crois, à la place de l'aqua fortis, de l'eau forte. Pour espérer produire plus de solutions. L'expérimentation est non couronnée de succès. La solution est très acide et il est très impratique en tout cas. Apparemment, ça sert surtout de détergent. Donc en fait, il faudrait de la calamine, de l'orpiment et du cuprit. C'est ce que je comprends. Les tissus organiques réagissent très violemment avec la solution et il faut le manipuler avec une grande attention. Ça peut être utilisé comme recette, mais j'ai perdu espoir de trouver une solution alchimique à mon à ce dont j'ai besoin. Alors je pense que c'est ça la traduction. Non, d'accord. Si je me trompe de touche, dégage-toi. C'est quoi ça? Ah. Un jour je reviendrai, et si ce n'est pas pour toi, mon amour, ça... ça serait ça, hein. Et si ce n'est pas pour toi, mon amour, ça sera pour m'en aller, quand je trouverai moi-même des choses terribles à faire, je pense, enfin je me remets en toi. Aussi longtemps que je serai capable de penser à toi et tout au long de ma vie et toute la vie que l'on a passée ensemble, je sais que je serai meilleur que les autres. They lust for power. Ah, il cherche pour le pouvoir. Il cherche le pouvoir sans restriction. Là où bon, j'ai pas tout saisi, mais on peut le relire un petit peu s'il vous plaît. Là où je cherche seulement le jugement et un retour en sécurité. Je comprends pas tout, mais si vous avez des brins de solution de compréhension, je prends. En tout cas, faut qu'on aille dans le cellier, ça c'est à peu près sûr. Jusque là on était à peu près safe. C'est pas très joyeux, mais je pense que je m'en suis tiré un petit peu. Ah mince, j'ai oublié de regarder Ah bah oui, j'ai oublié de regarder les champignons. Bah on va y retourner, on va aller voir hein. On va aller voir ça. Bonsoir Yacine.
me casse une jambe, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y avait un champignon? Non, c'est pas des champignons, c'est des bouteilles en fait. Mais bon, on va pas rester là non plus. Parce que je peux pas me servir de ça. En tout cas, c'est pas ce que je recherche, semble-t-il. C'est quoi ça? C'est un caillou? Un caillou. Bon, on se casse. C'est pas amical ici, on se casse. Alors, maintenant, il faut la cave à vin. Alors on peut regarder hein, ce que l'on a. Donc la relocation chimique. Ça on a vu qu'il a dû aller ailleurs. Et là on voit à peu près les produits qu'on doit utiliser. Donc ça c'est pas mal d'indices sur ce que l'on a à faire. Alors je suis désolé, hein, je me concentre un maximum. C'est bien des potions en fait. J'essaye de me concentrer pour éviter de flipper un max en fait. J'essaye d'être le plus cartésien possible, je suis vraiment désolé. Mais c'est comme ça aussi que je m'immerge dans le jeu. Alors, du laboratoire au Wine Cellar, ça on a vu. Ça c'est bon. Apparemment, dans le laboratoire, il faut combiner 4 éléments chimiques pour créer un puissant acide. Alors, ce que l'on avait vu, c'est qu'il faut... de la calamine, orpiment, cuprite et plutôt aqua regia plutôt qu'aqua fortis. Donc il va falloir qu'on trouve tout ça. Et le Cellavinaria, ouais, wine cellar, ça c'est bon. On est sur le bon chemin, en tout cas pour l'instant. Ah, il faut une clé. On n'avait pas de clé là-bas. Il n'y avait clairement pas de clé là. Est-ce qu'il aurait mis la clé par là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ah oui, il y a quelque chose ici. Et ça c'est quoi? Les archives. Alors est-ce que dans les archives on pourrait trouver la fameuse clé? Fameux produit, je sais pas du tout. Je me pose clairement la question de savoir où pourrait se trouver cette fameuse clé, parce que j'ai, il me semble pas avoir vu de clé à proprement parler. Pas dû ouvrir. Ok. Ok, ça c'est bon. Ça y a rien. Dites les copains, allez on se casse, boost. Alors, un papier, qu'est-ce qu'il y a? The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum.